Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons découvrir trois sites web secrets que les profs ne veulent absolument pas que tu connaisses. Et vous allez voir, le troisième site est vraiment de ouf. Si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos. Et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Comme je le disais, nous allons découvrir trois sites secrets que les profs ne veulent absolument pas que tu saches. Le premier site que nous allons découvrir ensemble se nomme Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, c'est vraiment le meilleur site. C'est-à-dire, c'est un site d'intelligence artificielle qui va te permettre de résoudre des équations. Donc, quand tu étais à l'école et on te donnait des équations, tu transpirais sur ces équations-là. Tu dois savoir qu'avec ce site-là, tu ne vas absolument plus te préoccuper des équations et tout. Il suffit tout simplement d'entrer simplement l'équation ici et tu verras que ça va absolument te montrer étape par étape comment régler, comment résoudre cette équation-là. Et tu vois qu'il y a plusieurs trucs, hein. Il y a sciences et technologies, il y a mathématiques, il y a société et culture, il y a vie quotidienne. Voilà, il y en a assez de tout pour te permettre de mieux passer. Une fois que tu viens ici, tu peux même choisir même les populaires, voilà, les populaires afin de voir. Il y a des algèbres, il y a des mathématiques élémentaires, il y a des solutions étape par étape, il y a des unités et mesures. À toi de choisir un peu ce que tu veux. Lorsque tu viens sur solutions étape par étape, par exemple, voilà, on dit solution pour plus de 60 sujets en mathématiques. Vous voyez que ça trace même des courbes. Vous voyez, découvrir comment effectuer des opérations arithmétiques de base. Vous voyez, vérifiez votre travail en utilisant l'arithmétique étape par étape. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a même des exemples ici, même pour vous montrer comment on résout ces différentes équations-là étape par étape. Il y a même la géométrie aussi. Il y a des statistiques. Donc, il y a même des calculs aussi, des dérivés, des équations différentielles. Donc, c'est vraiment tout simple. Il suffit tout simplement de venir ici et tu rentres ici entre ce que vous voulez calculer, tu rentres le calcul que tu veux calculer et tu vas voir que ça va te donner étape par étape. Si je rentre par exemple x je rentre un truc comme ça, hein. X je peux rentrer x plus 2 égale à, je sais pas, égale à 4 par exemple, égale à 4 par exemple, et vous lancez la recherche. On va vous donner, vous voyez, hein, saisie, x plus 2 égale à 4, forme alternative, x moins 2 égale à 0, ligne numérique, solution étape par étape. Voilà, on vous donne la solution étape par étape. Vous voyez, hein, c'est super, super génial. Voilà, super, super génial. Vous pouvez voir même comment ils ont eu à effectuer le truc, les différentes courbes et tout. Donc là, c'est le premier site. Pour le deuxième site que vous devez connaître, c'est un site qui va vous permettre de faire les meilleures corrections d'orthographe. Et le site, c'est Codial.fr. Codial.fr, c'est le meilleur site pour corriger votre faute d'orthographe. Il suffit tout simplement d'entrer le mot ici, le mot que vous voulez, votre phrase que vous voulez écrire, par exemple, et vous allez voir que ça va corriger tous vos orthographes. Vous n'aurez même plus à vous soucier des fautes que vous envoyez par email, par SMS ou bien par message et tout. Ça va corriger toutes les erreurs. Comme vous pouvez ici, Codia, le meilleur correcteur gratuit et performant. Un correcteur gratuit ne signifie pas forcément un correcteur peu performant. En effet, avec Codial en ligne, vous bénéficiez de toute la puissance du moteur de correction Codial. Quelles sont les limites? Vous demandez-vous. La version gratuite du correcteur Codial restreint simplement le nombre de mots à 1000. Aussi, contrairement à la version complète et tout. Voilà, donc ici, c'est vraiment le meilleur correcteur d'orthographe que vous devez avoir près de vous pour vous éviter de faire les différentes fautes et tout. Et vous voyez que vous avez 1000, vous avez jusqu'à 1000 mots pour pouvoir faire vos différentes corrections. Voilà. Pour le troisième site que nous allons découvrir, ça se nomme CIMAT. CIMAT, c'est à peu près pareil que le premier site, mais là, ça va vous permettre de pouvoir faire aussi des équations et vous allez voir que ça va vous donner étape par étape. Si par exemple, on va sur la base de 2x, 2x plus 5 égale à 9, vous voyez que ça vous montre étape par étape. Ici, soustrait 5 des deux côtés, 2x égale à 9 moins 5, vous simplifiez, vous voyez, ça vous donne étape par étape les différentes étapes à effectuer. Vérifiez la réponse, vous voyez, tout est directement là. Voilà, tout est là. Je vais fermer mon truc.
Voilà, vous voyez, c'est vérifié et ça vous donne toutes les réponses. Tout ce que vous allez mettre comme équation, vous allez voir que vous allez avoir la réponse étape par étape. Et là, il y a même le tableau même qui est ici pour vous permettre de pouvoir ajouter des éléments et tout. Donc, j'espère vraiment que ces sites vont vous aider à être des meilleurs, que ce soit en cours ou dans la vie personnelle. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao!